Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-Tout, comme, premier, comme premiers invités, je mets un S parce que j'en ai deux, il y a quelqu'un que vous allez reconnaître facilement, euh, qui est une collaboratrice depuis au moins deux ans et qui me fait manger, comme il y a quelqu'un qui m'a dit euh, en m'abordant, la petite qui te fait manger toutes sortes d'affaires, c'est-tu bon? J'ai dit oui. Alors, je parle de Stéphanie Gamache. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et elle est accompagnée du... De là, un des organisateurs communautaires du CLSC, Pierre Pelchat. Bonsoir, bonsoir, Pierre. Bonsoir. Vous êtes ici comme porte-parole, son si vœu, d'un organisme qui s'appelle Les Incroyables Comestibles. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là? <laughs> Alors, il euh, faut situer ça. C'est un mouvement citoyen mondial. Ah, c'est mondial, ça? Oui. OK. Et c'est une initiative qui a démarré en Angleterre il y a quelques années à peine ou Devant, je dirais, l'austérité d'un euh, euh, village qui est en dévitalisation, il y a deux femmes, à un moment donné, qui se sont dit il faudrait faire quelque chose okay, pour continuer à nourrir nos familles et faire en sorte que les gens aient quand même une qualité de vie et des conditions de vie. Ils ont lancé une invitation en pensant qu'il était pour euh, rejoindre quatre, cinq personnes ils auraient été bien contents. Mais au contraire, euh, l'invitation fait en sorte qu'une trentaine de personnes se sont regroupées et ils sont mis à. Préciser un projet pour impliquer les gens dans un objectif, okay, euh, d'autonomie alimentaire. Et c'est là ah, que okay. l'idée, c'est là vient le mot comestible. Voilà. Ok. Et euh, de là, ben, a germé l'idée, ok, euh, d'installer dans les endroits publics, d'utiliser tous les espaces publics dans une communauté et faire pousser des légumes, des fruits. Et euh, c'est bien documenté aussi pour ceux qui ont la chance. Euh, de visionner le documentaire qui s'intitule Demain. On nous parle de cette expérience-là. Oui oui, 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 oui. Donc, c'est un mouvement mondial qui vise l'autonomie, puis qui vise aussi la prise en charge okay, des citoyens. Oui, mais Pierre, toi, tu es un organisateur communautaire au CLSC. Qu'est-ce qu'un organisateur communautaire vient faire dans les incroyables comestibles? C'est l'un des beaux prétextes pour euh, favoriser les liens euh, entre les personnes dans une communauté. C'est aussi de rapprocher les gens. Ce pas pour rien non plus que le hasard a fait que le projet à Thetford, on soit installé, OK, c'est une partie de la piste cyclable, où euh, la population du centre-ville, ce n'est pas nécessairement celle qui est la plus fortunée, la plus confortable, et c'est un endroit carrément public où il y a beaucoup de gens qui passent et qui risquent euh, d'échanger. Et c'est là qu'on a installé, avec des gens du quartier du centre-ville, une douzaine de boîtes à jardiner. On en a ici, en avant du centre communautaire. Effectivement. Euh, héritage Centre-Ville est un partenaire euh, très intéressant pour les incroyables comestibles. Ils ont invité euh, les commerces, les gens d'affaires et les gens qui demeurent au centre-ville euh, de participer à cette expérience-là. Et euh, plusieurs commerces, en fait, c'est tout près d'une quinzaine de pots à jardiner qui ont été installés aux différents endroits au centre-ville. Des fines herbes, des tomates qui poussent euh, un peu partout. Alors, toi, euh, je te posais la question. Je vais la poser à Stéphanie, même si je connais déjà un peu sa réponse. Comment ça se fait qu'on qu te retrouve dans ça, toi, Stéphanie? <laughs> pour ceux qui ne connaissent pas, là. Par, moi, c'est beaucoup par souci euh, d'écologie, donc le caractère environnemental, mais aussi pour créer un lien avec, entre les gens et la nature. Euh, pour moi, je pense que c'est important, puis pour permettre aux gens de s'approprier ce qui leur appartient. Donc, l'espace public et la, la terre ou la nature nous donnent la nourriture. Initialement, là, si on réfléchit une seconde, fait que de, de permettre aux gens de s'alimenter tout près de chez eux. Donc, on vient éviter euh, toute la pollution qui est faite par le transport, par euh, l'entreposage, par l'emballage. Donc, c'est vraiment d'aller cueillir directement euh, le légume qui, euh, qui est gratuit aussi, finalement. Ouais. Puis, euh, pour tous les aspects euh, vraiment environnementaux. On va dire que c'est mon euh, leitmotiv, c'est ce ouais. qui me, me branche le plus, mais. Je trouve que là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que tous les aspects sont positifs, autant comme juste sur le plan écologique, mais aussi économique. T'sais. Tu traverses la rue, puis tu cueilles tes tomates, tu n'as pas besoin de les acheter. Euh, que l'aspect social, donc de faire des liens. À chaque fois qu'on... Cet été, on est allé souvent là, au, à, la, à la fontaine verte. C'est le nom oui. qu'on a donné à, à l'espace comestible près de la piscine. À chaque fois que j'y allais, puis les autres aussi, nous ont partagé la même chose. Tu y vas, puis il y a plein de gens qui arrivent. Mon Dieu, que c'est beau hey, C'est le fun, puis instantané. Tu y vas, puis il y a des gens qui arrivent, comme fait de, de dynamiser juste cet esprit de quartier-là. Je trouve que c'est euh, c'est incroyable, ouais. comme style. <laughs> Est-ce qu'on pourrait dire que c'est euh... Je ne sais pas si je dois... une extension du jardin communautaire. Il y a un jardin communautaire à Thetford, là, qui est sur, qui est sur la rue Saint-Henri, entre autres. Et euh, est-ce qu'on peut dire que c'est... Euh... Bien, c'est proche-parent. Puis, euh, petite précision, c'est un jardin collectif où les gens de la rue euh, Saint-Henri puis des euh, rues avoisinantes... Oui, sont... jardin collectif. Oui. Là, j'ai dit communautaire, mais c'est collectif. C'est collectif. Hein? Ces gens-là du quartier sont invités à aller... Euh... <coughs> Donner du temps okay, pour faire pousser et puis dorloter et puis arracher euh, des petites mauvaises herbes. Mais c'est aussi un jardin qui est en lien avec euh, l'organisme réseau d'entraide des Appalaches, oui. qui est beaucoup utilisé aussi pour les gens qui fréquentent l'organisme. Okay? Beaucoup de jeunes mamans, des jeunes familles qui vont euh, donner un coup de main à ce que le jardin euh, pousse très bien. Et euh, un mmh. peu avec la même philosophie des incroyables comestibles, mmh. ce qui pousse est partagé. Euh, ce qui est en surplus euh, va être récolté et transformé, euh, soit pour euh, euh, les gens qui fréquentent le réseau d'entraide. Les incroyables comestibles, ce qui pousse, ben, les gens qui passent, quand c'est mûr, ils le prennent. S'ils si ont le goût de dorloter quelques plantes, ils peuvent arroser, ils peuvent désherber. Et ça incite euh, au partage, ça incite ben, quand il y en a trop. On a installé tout dernièrement aussi un bac où on, on invite les gens qui ont déjà des jardins, à un moment donné, on se retrouve en surplus de production, bien, au lieu de les jeter, je peux pas les transformer. Je vais aller les donner puis les partager, puis quelqu'un d'autre va en avoir de besoin, et va les prendre. Ouais, en tout cas, pour moi, je trouve ça merveilleux. Euh, et euh, est-ce que vous avez été... Je ne vais pas trouver des, des aspects négatifs, mais est-ce que vous avez été victime de vandalisme ou pas J'avais posé la question à des représentants du réseau d'entraide concernant le jardin collectif, et heureusement très peu. Il y a des gens qui sont allés en prendre des, des légumes, puis ils se sont fait dire Bien, ok, c'est correct." Puis ils pensaient peut-être dévoler, puis finalement ils se sont rendus compte qu'ils volaient pas. Est-ce que vous autres, vous avez été où les gens ont été respectueux euh, là, juste leur faire bien la distinction pour nous il n'y a pas aucun vol parce que c'est pour n'importe qui oui. juste pour en préciser comme une fois avec le jardin collectif que eux c'est pour les besoins plus spécifiques des gens qui, qui s'engagent ou qui, qui, qui vont qui travaillent à, à l'intérieur n'importe qui fait il qu y, oh, y a pas de vol puis euh, au niveau des bris ça a super bien été ah c'est bon. les jeunes du réseau d'entraide qui ont aussi construit nos bacs fait que je pense que ça a pu créer aussi un sentiment de fierté et ah d'appartenance ah oui. aux gens de des quartiers, fait que je pense qu'il y a un respect, puis les gens voient que c'est beau aussi, puis ils l'apprécient, ils n'ont pas vraiment envie de, de briser. C'est sûr qu'il y a peut-être eu des minuscules incidents, mais c'est minime. C'était okay. une crainte que les gens avaient, ah, ben, vous allez vous faire détruire, mais quand on est passé au travers de la tempête, relève si on... Ah, des oui, fois, oui, c'est oui, là oui, qu'on oui, pourrait oui, craindre oui. qu'il y ait plus de bris, mais... C'est comme s'il n'y avait pratiquement rien eu, là, des incidents mm. mineurs. Là. Donc, c'est très encourageant. Oh, oui. mm. euh, donc, la réponse euh, cette année, c'était la première année. Oui. La réponse est vous satisfait? Est... Oui, oui. Très, très. C'est très, très satisfaisant. Et puis, euh, l'an 2, on sait déjà que euh, de l'initiative de citoyens okay, du secteur de Black Lake, il y aura quelque chose qui va se passer okay, euh, l'an prochain. Quand tu parles de Black Link, il faudrait bien souligner que cette initiative-là, dans, dans la région, n'a pas eu lieu uniquement à Tetford. Non. Présentement, euh, il y a la communauté Broughton aussi qui euh, euh, a vécu euh, l'expérience aussi des incroyables comestibles. Un concept un petit peu différent c'est des bacs qui ont été installés okay, euh, à proximité d'organismes de leur milieu. Ils avaient déjà un jardin. Ah oui? Et puis, euh, avec la même philosophie, c'est l'implication citoyenne. On invite les gens aussi à, à, à venir s'occuper. Et quand c'est mûr, n'importe qui passe, on discute, on mange une fraise ou on cueille une petite tomate. Est-ce que la récolte a été bonne? <laughs> Oui, oui, elle a été bonne. On a, puis c'est le fun aussi parce que ça permet de faire découvrir des nouveaux légumes aussi. Par exemple, on a cultivé du kale, ah euh, oui, oui. qui est un légume quand même peu connu, mais pourtant tellement intéressant ici parce qu'il va pouvoir rester en place puis être cueilli même après les premières gelées. Donc ça peut aller même jusqu'au mois de décembre. Fait que, il y a aussi euh, de, de la découverte que les gens euh, peuvent faire euh, au travers ça. C'est sûr que là, les petites carottes, des fois, je pense qu'il y a des petites mains qui pensaient qu'ils étaient prêtes, puis euh, ils ne ah, pas oui. tout à fait. Mais au fil des, des, des années, l'année prochaine, on veut aussi mettre peut-être plus d'indications pour dire quand les légumes sont, sont ah, vraiment oui, oui, prêts, oui, oui, oui. Euh, avec un système de couleurs, <coughs> peut-être. Mais oui, la récolte a été bonne. Là. Il y a eu des fraises, euh, des tomates, des pois, euh, des fines herbes. On avait même euh, cultivé des fleurs euh, comestibles aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Des, des, des choux? Fèves. Il y a eu des, une production de fèves assez intéressante. Ouais. Euh, puis, puis les euh... gens les prenaient. Il n'y a, a pas eu de surplus de production. Non. <laughs> euh, le, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, là, on est rendu euh, quasiment à la mi-octobre. Là, il est un peu tard pour partir son jardin. Mm -hmm. Mais l'année prochaine, là, est-ce que les, les individus, c'est pas juste euh, les commerces, là? C'est ah, tout non. le monde qui peut participer? Est-ce qu'il y a un coût à ça ou Comme... de quelle façon on procède? Bien, c'est de nous suivre okay, sur Facebook, c'est de suivre aussi euh, les hebdos. Euh, okay. On va sûrement organiser au printemps prochain une rencontre euh, aussi d'informations euh, euh, où on va inviter la population à venir aussi ah, ben, constater on vous... le On bilan. vous réinvitera à, ah, oui. à l'émission pour donner les coordonnées puis de quelle façon procéder. Puis, euh, bon. Au moment où on se parle, bien, il y aura déjà quelque chose euh, de nouveau pour l'an prochain. Il y a des, euh, des plants de bleuets qui euh, oh. ont, vont être ou ont été, justement, euh, euh, plantés, transplantés, pour avoir un peu plus de diversité. Ça, mm. ça va aussi euh, être attractif, ça aussi. Là, ouais. oui. Puis c'est facile. À, bon, il y a très peu d'entretien. Quand c'est mûr, les gens passent. Et... Puis, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer, mmh. ben c'est un mouvement citoyen, donc ça vient vraiment des gens. Fait que seulement de, que les gens manifestent leur intérêt, puis il euh, y a plein de choses à faire. Mais si les gens souhaitent le faire chez eux, c'est finalement quelque chose de très simple. Donc, un espace comestible chez soi, euh, de décider avec des gens euh, proches de, de ton quartier d'en faire un dans ton quartier. Ouais. puis, puis on le rendre accessible. A, le rendre accessible. accessible ouais. Puis on a à la bibliothèque beaucoup, il y a des affiches, nourriture à partager que les gens peuvent mettre. Donc c'est de propager le mouvement, puis cette philosophie-là aussi qui est quand même nouvelle, de, de faire des choses. Seulement pour le plaisir et pour le partager euh, ouais. avec Alors là, là, je, là, je comprends un peu mieux, Pierre, pourquoi ça fait que mmh. l'organisateur communautaire <laughs> de CLSC, parce que c'est global, c'est un oui, oui. tout. Là. Oui, puis oui. le CLSC, comme euh, le, la Corporation de développement communautaire, on travaille à, 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 à rompre l'inégalité. Hein, c'est ça. Une oui, façon oui, oui, oui. Ça, ouais. mmh. oui, oui. Bien, je vous félicite, et euh, je vous réinvite au printemps prochain pour qu'on en parle. Vous le plaisir, Oui, hein, j'avais le plaisir d'avoir Stéphanie à, à mes côtés avec Pierre. Et euh, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir l'agente de développement. Là, je le lis comme il faut pour ne pas me tromper Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. C'est ça. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Valérie Giguier, Giguier, pardon. Alors, bien, bonsoir Valérie. Bonsoir. Euh, le Carrefour Jeunesse Emploi, qu'est-ce que c'est, ça, cette là Qu'est-ce que ça mange en hiver? <laughs> Carrefour Jeunesse Emploi, il existe depuis 20 ans. Donc, 20 ans? Oui, et on, on fête nos 20 ans aussi cette année. Euh, le Carrefour Jeunesse Emploi, d'une manière générale, il rend service aux jeunes de 16 à 35 ans euh, pour les aider dans leur projet de vie. Donc, ça peut être un retour en emploi, ça peut être un retour aux études. Euh, ça peut être une exploration des stages, euh, une intégration en entreprise. Donc, euh, on, a, on est divisé. Évidemment, on a chacun notre, notre tâche au, au carrefour. On est neuf. Ah, vous êtes neuf. Oui, tout à fait. Et euh, on a un conseiller d'orientation euh, qui va justement aider les personnes à explorer euh, quand ils veulent retourner aux études, par exemple. C'est un... les... le cas de le dire, pour les mieux les orienter. Exactement. Okay. On a un conseiller en emploi qui, lui, va aider euh, à la recherche d'emploi, à construire un CV, à faire des, des, euh, des pratiques d'entrevue, ce qui est quand même, ça c'est vraiment important parce que des fois, on est bien perdu devant un employeur. On a, euh, on a deux intervenantes de jeunesse, une qui va s'occuper des personnes qui sont un petit peu plus éloignées du marché de l'emploi euh, avec euh, trois programmes, le, un qui s'appelle Para un hein, qui s'appelle départ à neuf et puis on a la joujouthèque aussi qui nous sert de plateau de travail pour des personnes qui veulent pouvoir comme réapprendre à travailler et en passant la joujouthèque est ici au centre communautaire Exactement. elle ressortit de nous là oui <laughs> puis ça on veut vraiment développer puis on veut on veut qu'elle vive le plus longtemps possible oui et la joujouthèque est, est stratégiquement bien placée à côté euh, de du, du euh, voyons comment ça s'appelle le la le, pédiatrie. le la oui la, le centre de pédiatrie de Julien là mm, tout à fait et, et vous êtes et ça s'adresse aux enfants et les enfants euh, peuvent déjà aller la, à la jujoutec et c'est coloré c'est 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 local. dynamique oui. Hein? oui tout à fait donc c'est que... votre initiative ça vous autres le cafou oui, tout à fait. Le, le, la jujoutaïque, elle est née il y a quelques années déjà, mais elle était, euh, était au train plein. On a fait le choix de la déménager justement en face de la pédiatrie, quand la pédiatrie a ouvert l'année dernière, pour justement euh, que les enfants aient accès aux jeux et puis que nous, en tant que Carrefour Jeunesse Emploi, euh, on puisse aussi avoir accès aux parents qui, sont, qui souvent ont besoin de services au niveau de l'employabilité. Ah oui, ok, alors c'est une pierre deux coups. Et voilà. Donc euh, c'est ça. Puis ensuite, bon, on a Catherine qui s'occupe de tout ce qui est euh, volontariat, bénévolat, puis entrepreneuriat. Mmh. Euh, là, c'est d'autres choses qui sont plus. Euh, euh, ben là, on vient, de, on vient de lancer un programme ce matin qui s'appelle Implique Action, euh, qui est destiné à des jeunes de 16 à 29 ans, euh, justement pour leur donner la possibilité de s'impliquer dans la communauté. Oui, j'ai vu justement euh, un reportage à, à ce sujet-là déjà sur Facebook. Ça va vite, hein, sur les réseaux sociaux. Hey, on n'était <laughs> même pas rentré au bureau, tout était parti. Hein. <laughs> et, et, et vous êtes neuf employés pour travailler oui. euh, sur l'ensemble de ça. Euh, euh, votre financement, il vient d'où? Le financement vient en grande majorité d'Emploi Québec et du secrétariat à la jeunesse, tout dépendant des programmes qu'on euh, okay. qu a. Et. Euh, ça, euh, neuf employés, ça veut dire que ça commence à être important. Le, le jeune entre 16 et 35 ans là, qui se présente chez vous, est-ce qu'il y a des coûts ou ce sont des services tout à fait gratuits? Les services sont complètement gratuits. Et puis, quand on parlait de financement, bien, euh, on en parlera tout à l'heure, le Gala Jeune Personnalité fait partie de nos activités de financement parce que ça nous prend, nous aussi, en tant qu'organisme communautaire, une partie de financement euh, de la communauté. Et là, vous êtes dans des nouveaux locaux? Oui, oui, oui. Bien, ça, on l'a. On a déménagé au mois de juin. Ça a été euh, vite et intense. Puis, euh, on commence à être bien installé. Je devrais avoir mes enseignes bientôt. <laughs> euh, je les attends. J'attends une réponse de la, de la ministre. Alors là, vous êtes rendu euh, dans l'ancien édifice des Berges-D'Aigle, au oui. bout de la rue Notre-Dame-Ouest, en face de la station des arts. Oui. Dans l'édifice qui est sur le coin. C'est ça, dans le même bâtiment que les Jeux du Québec. Les Jeux du Québec mmh. sont installés là aussi, mmh. c'est vrai, oui. Alors, vous êtes installé là depuis le mois de juin. C'est ça, 257 rue Notre-Dame-Ouest. 257 mmh. rue Notre-Dame-Ouest, c'est important de le dire pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et qui disent, écoute, hey, moi j'aimerais ça à un moment donné, euh, vérifier s'il y a des choses qui pourraient euh, m'être utiles, puis ils peuvent s'adresser à vous sur une variété de sujets, comme j'ai pu voir. Là. Vraiment, oui. Euh, vous cernez pas mal euh, tout ce qui concerne la, la jeunesse. Là. Exactement, oui. Que la personne soit très éloignée du marché du travail ou, ou qu'elle ait juste besoin d'un CV parce qu'elle doit rencontrer un employeur le lendemain, on est capable vraiment d'offrir une très grande gamme de, de, de services. Et quand on dit Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, oui. si je comprends bien, c'est parce que ça englobe tout le territoire là, de la région. C'est la MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches. Mm. OK. Oui. Et, et est-ce que euh, vous avez des statistiques qui démontrent à peu près combien de... de, de, de une clientèle de combien par année à peu près? Euh, j'ai pas les chiffres exacts là sous la main, mais euh, de mémoire, il euh, on... y a entre 500 et 600 jeunes qui viennent par an ah, oui, pour chercher des services. Donc, ça veut dire que veut dire, vous, vous êtes implanté depuis 20 ans, mais vous avez euh, votre raison d'être. là. Oui, bien Quand sûr. Quand il y a <laughs> déjà 500 enfants, 500 jeunes, pardon, mm. jeunes ados et adultes de 16 au, à 35 ans, euh, ça veut dire qu'il y, qu y avait un besoin. Bien, il y a un besoin, il est constant. C'est sûr qu'on a des jeunes qui sortent de l'école, qui ne sont pas sûrs de où est-ce qu'ils vont aller euh, au cégep ou, euh, ou dans d'autres écoles. Il y a ceux qui ont commencé une carrière, qui se posent des questions, qui reviennent nous voir, qui viennent se servir de l'orientation. Donc, c'est vrai qu'il y a des jeunes qu'on va suivre de, de, de leur 16 ans jusqu'à leur 35 ans, des fois, parce qu'ils vont revenir nous voir pour différents services au cours de, de leur début de carrière, je dirais. Ah, bon, bon, bon. Mm. Et, euh... J'ai déjà entendu Place aux jeunes. Oui. C'est vous autres, ça? Hein, oui, encore? aussi. C'est quoi ça, au juste, Place aux jeunes? Place aux jeunes, c'est un, un, un programme qui, qui, qui vient du Québec et il est euh, financé par le Secrétariat à la jeunesse. Et Place aux jeunes, ça concerne les MRC qui sont en solde migratoire négatif. C'est-à-dire que quand dans une MRC, on, on a moins de gens qui arrivent que de gens qui partent, euh, on se retrouve avec moins de population en bout de ligne. Donc, Place aux Jeunes, en fait, existe pour aller recruter des personnes dans d'autres régions du Québec pour qu'ils viennent travailler chez nous dans la MRC des Appalaches. Ah bon, bon. Alors, c'est l'inverse, là. C'est l'inverse, oui. Okay. C'est ça. Puis, euh, euh, ben, on s'entend qu'il y a en partie aussi des personnes immigrantes. Ils, ils arrivent tous à Montréal, donc c'est sûr que là, après, ben, ils, ont, ils ont des informations sur les régions. Euh, ce qui fait que qu'ils euh, euh, demandent à ma, à ma collègue Valérie Lehoux s'ils si, euh, euh, si peuvent s'installer chez nous. Puis là, on leur fait faire des séjours exploratoires. Et puis, on s'occupe d'eux dans le sens qu'on va les aider à trouver un emploi. On va les aider à, s'ils arrivent, s'ils trouvent un emploi, on va les aider à trouver un logement, inscription à l'école pour les enfants, ah, la garderie, Dieu, c est, c est etc. C'est C'est un service complet, oui. oui, oui. Euh, Tommy vient de me faire signe, là. Il nous reste cinq minutes. D'accord. j'aimerais ça qu'on qu qu garde, parce que vous avez une activité, puis tu, tu y as touché tout à l'heure, là. Tout à fait. Le galop jeune personnalité. Tout à fait. Et... Euh, lors d'une réunion où on, on était euh, ensemble là, à, à la table de, de, la, de la corporation, j'ai souligné l'importance de, de votre activité comme élément de fierté dans la région. Euh, j'ai eu la chance de participer au Gala Zénith depuis euh, sa fondation et c'est des soirées de fierté. Et euh, c'est la même chose pour le Gala Jeune Personnalité. Alors, en quoi ça consiste? Et euh, quand est-ce qu'il va avoir lieu, là, très prochainement? Hein? Tout à fait. Le Gala Jeune Personnalité va avoir lieu le 29 novembre de cette année, donc c'est aux deux ans. C'est notre 12e édition, donc on s'entend que ça fait 24 ans que ça existe. En même temps, cette année, on va fêter les 20 ans du CGE, mais là, il va y avoir plein de surprises, j'en parle pas plus. <laughs> euh... Des surprises. <laughs> <laughs> ben bah oui, c'est possible. Bah oui. <laughs> euh, ensuite, euh, c'est ça le gala de personnalité, ça concerne tous nos jeunes de moins de 35 ans qui se sont démarqués dans un, dans un domaine ou dans un autre. Il euh, n'est pas ici question de performance, puis du meilleur, puis le plus fort, puis le plus grand. C'est beaucoup plus une question de valeur euh, dans le sens que... Euh, une de mes collègues de travail me disait Ouais, mais là, jeune entrepreneur, tu ne demandes pas de chiffre d'affaires. J'ai chiffre d'affaires, je m'en fiche. Ce que je veux savoir, moi, c'est l'idée, le parcours, comment la personne a fait pour en arriver là. Puis, euh, c'est ça qui est important c'est ce, ce que les jeunes ont fait, c'est ce qu'ils ont réalisé. Et euh, euh, c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Ah bon, bon. Ouais. La, la semaine dernière, j'ai reçu comme invité là, un jeune homme de Disraeli qui correspond très bien. Il y a même 17 ans. En quatre ans, il a appris à orger à vaincre sa part de l'eau et, et il est devenu euh, détenteur d'un brevet euh, de, de sauveteur océanique. Je pense qu'il mériterait, lui. Euh, mais s'il ne s'inscrit pas, est-ce que moi, je peux l'inscrire? Exactement. Cette année, euh, les, les jeunes peuvent s'inscrire eux-mêmes directement sur notre site Internet. Ah! Alors, c'est quoi ton site Internet? C'est le c -E Frontenac, c -E Frontenac. Point .com. Mot, point com. Luc va se faire de, de toute façon un plaisir de nous marquer ça autour de nous. Là. Tout à fait. Alors, puis... Mais là, aujourd'hui, on est rendu euh, dans la deuxième semaine d'octobre. Oui. C'est trop tard. Hein, oui, pour là, là, je ne peux rien dire. Les, les jurys sont en train de travailler fort, puis euh, on verra qu ce qui va ressortir de, de là bientôt. Oui, mm. il y a combien de prix? Ou il y a les combien prix... de, de, de certificats de mérite? Euh, je ne sais pas comment vous les appelez. En fait, pour chaque catégorie, il va y avoir un gagnant et deux finalistes. Les gagnants vont avoir des prix d'une valeur de 500 et les finalistes des prix d'une valeur de 100, de 100 à peu près. Et, et tu me disais mmh. que c'était une activité de financement aussi pour vous. Donc, ça oui. veut dire que vous avez des billets à vendre? Exactement. Et ça va avoir lieu où, le gala? Le gala va avoir lieu au euh, club de golf et de curling de Tedford. OK. Et puis, les billets sont en vente à 50 Est-ce qu'ils sont déjà disponibles? On est rendu à la mi-octobre. Oui, ou... tout à fait. Il suffit oui? de nous appeler, puis euh, Alors, on peut à quel réserver numéro? les billets. 88? 335, 335 0802 0802 Encore une fois, je suis certain que Luc va se faire un plaisir de l'écrire là. 88 oui. 335 0802. Oui. Est-ce que euh, sans révéler rien là, euh, il reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes satisfait vous autres du nombre de personnes qui ont, sont inscrites ah oui, vraiment. Je peux rien dire, mais oui. <rire> <rire> donc, ça, le gala aura lieu le 29 novembre. Oui, en 5 à 7. En 5 à 7? Oui. Bien, merci beaucoup, Valérie. Mais je vous en prie. Et euh, vive le Carrefour Jeunesse-Emploi qui fête ses 20 ans. Mon Dieu, 20 ans, c'est beau, c'est jeune. <rire> <rire> merci beaucoup. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.